Salut tout le monde, c'est Sereni et Volcano. Salut Volca. Salut tout le monde. Donc du coup, on est sur notre série Chrono Building, sur la map de l'âge du bronze, les Romains. Donc je vous rappelle vite fait le thème de notre série Chrono Building, c'est de vous proposer des thèmes de map aventure, de serveur, comme vous voulez, de ce que vous voulez. Mais voilà, différents thèmes, on a commencé par la préhistoire, les Gaulois, et maintenant c'est les Romains. On n'exposera pas toutes les idées possibles, le but c'est de vous en donner quelques-unes qui pourraient éventuellement faire un déclic chez vous. Voilà. Voilà, et donc Volcano, on va te laisser faire le guide alors pour la map sur les Romains. Allez, c'est parti, C'est parti, suivez-moi, on est on parti. t'écoute. Donc là, on passe par l'entrée des artistes pour aller dans un lieu qu'on va nommer l'amphithéâtre. Voilà, donc l'amphithéâtre qui. Donc là, on essayait de reproduire une scène avec un abri et tout le tintouin, avec un souffleur, enfin la place du souffleur, pardon, pour ceux qui ont oublié le texte un petit peu comme moi ce soir. Et puis, voilà, on a creusé en fait à même la. Donc je précise, La hein, falaise. avant toute chose, que oui, tout a été fait à la main. Mais à la main au créatif, hein, et pas à la main, quoi. C'est pas le but de la manœuvre. Et moi, je Ouais. préciserai juste une petite chose aussi, c'est que le pack de textures que j'utilise, on vous mettra le lien dans la description, mais c'est toujours comme sur la vidéo des Gaulois, Romcraft Germania, fait par Stugas. Voilà. Voilà, c'est ça, bien, c'est bien de le préciser. Donc je reprends. Donc voilà. Donc on a créé un amphithéâtre. On l'a, comment dire, on a creusé donc directement dans la montagne. Hein, et puis on l'a inséré dedans. Voilà. Donc comment Bien. dire, ça épouse bien la forme de la montagne. D'accord. Voilà. On va se rendre à nouveau sur la montagne, sur le sommet de la montagne avant de passer dans la ville. Enfin la ville, la pseudo-ville, on va dire. On a repris le système des offrandes comme il y avait dans notre petite map sur l'âge du bronze, donc sur les Gaulois. Voilà, donc on a Parasol. trois autels. Non, pas parasol, sol. Oh, Non, voyons. gloire à sol. Gloire à sol. C'est pour jouer à 1, 2, 3 soleil? C'est ça. Gloire à sol, qui est donc un titan de la mythologie romaine, hein, évidemment. Bien sûr. Et puis, donc ce type-là, il fait quoi? Eh bien, écoutez, si vous donnez un truc suffisant. Ah, bah là, c'était pas le cas. Ah. Voilà, j'ai fait de la merde. Exactement. Bon, bah, on va la refaire. Je vais lui donner un truc un peu plus sympathique. Des bottes en or, ça Oula. risquerait peut-être J'ai vraiment de. fait de la merde. Des bottes en or. Voilà, donc là, les bottes en or, ça a l'air de plus l'enjouer. Donc du coup, hop, on a retrouvé notre beau soleil. Là, ici, on a un autel qui est donc une offrande à Pluton. Pluton qui, on ne le sait pas fort. Je cafouille. On ne le sait pas forcément, mais c'est le dieu des enfers, en fait, dans la mythologie romaine, qui est l'équivalent d'Hadès. Hadès, c'est pour les Grecs. Voilà. Donc là. Quand on fait ça, ça fait quoi? Ah mon dieu! Moi j'ai chopé une merde là. Empoisonné? Bon, bah oui, voilà. Donc, visiblement, un bloc de terre, ça lui convient pas. Et puis, un troisième autel donc, qui est consacré à Uranus, Le dieu ou à des la Nôtre, hémorroïdes. voilà, dieu des hémorroïdes, non, tout à fait, tout à fait. Gloire à Uranus, qui lui contrôle donc, voilà. Le jour, voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Ouais, le petit, Donc, le même principe de. voilà le même principe que chez Sur les les Gaulois, Gaulois. mais avec Voilà. les dieux romains, du coup. Avec les Ok. Romains. Donc, on va redescendre par ici. Oh, you're talking to me? You're talking to me? Yes, Ouais. yes.
Un feu croyant. On descend Hop, où? hop, hop, en avant, en avant. Allez, par là, par là. Tac. Voilà, donc on va redescendre par là. On a, comment dire, on a construit un petit chemin qui épouse la forme de toujours de la montagne. On traverse, on traverse, on traverse. On arrive au joli pont en grès de Monsieur Sérény. Ouais. On est très fiers. Bon, Il est il y a mignon de mon petit quoi, on pont. va dire. Il est mignon son petit pont, voilà. On a, enfin donc moi j'ai voulu réaliser vite fait par rapport à, enfin avec des plans on va dire réels de villa d'une villa romaine pardon qui a déjà, enfin qui existait auparavant on va dire, et ça a donné ça. Donc on a l'entrée, voilà donc le vestibule tout simplement. On a la partie, comment j'avais dit qu'on appelait ça? Atrium, exactement. L'atrium, donc c'est-à-dire, c'est un peu le coin de verdure à l'intérieur de la maison Jardin dans quoi. les villas, voilà quoi. Enfin, c'est pas vraiment le jardin quoi. Le jardin, il est là, il est plutôt derrière, tu vois. D'accord. Voilà. Donc là, on a le jardin, le petit jardinet, hein. Et voilà, donc on peut sortir par ici. J'en ai fait deux. C'est vraiment pour meubler la deuxième. Et puis ces arbres-là, donc ces étranges arbres en forme Bien de droit. cyprès, voilà, donc ils sont pas bel droit. Ça, j'ai voulu symboliser des cyprès en fait, des cyprès méditerranéens, vous voyez. Un petit peu bah, comme dans tous les pays méditerranéens, on se retrouve avec des cyprès pas très larges, mais assez hauts, quoi. D'accord. Et Voilà. dis-moi le truc, c'est que je vois sur les toits là des baraques, ils ont, il y a des trous. Il y a des trous Ouais. et là quand il pleut, c'est, enfin, c'est l'inondation quoi. Alors j'ai pas pu le modéliser ça parce que j'ai fait avec les moyens du bord, mais en fait bon il y avait des récupérateurs d'eau de pluie, donc tout simplement des chéneaux, hein, parce qu'on était, c'est pas nous qui les avons inventés, ça était là avant. Donc des chéneaux, pardon, des chéneaux qui, bah, je sais pas moi, rapatriaient l'eau jusque dans des grands collecteurs, et puis, admettons, ça pouvait alimenter les fontaines, D'accord, donc ouais, les bassins, quoi, il voilà. faisait déjà de la récup d'eau de pluie à l'époque, quoi. C'est ça, voilà. D'accord. Je précise que les Romains ont inventé le système de canalisation, hein. En plomb, évidemment, parce que c'est la seule matière qui pouvait travailler à l'époque, quoi. On Ah ouais, n'était pas les égouts, encore à quoi. l'âge du fer, hein. Voilà. Et les crocodiles dans les égouts, c'est eux qui ont inventé aussi, ou... Ça, je suis pas sûr, je pense que C'est ça comme va dans venir après. Astérix, quand les Voilà. crocodiles, qui balancent le moignon. Oh. Bon, bref. Vas-y, je t'écoute. Du coup, là, si on continue le chemin, on arrive donc au terme, hein, au terme du chemin, tu me diras, mais au terme, Merci, j'ai pas osé la oui, merci. faire. Voilà, donc vous avez le droit de marquer un moins un, oui, effectivement. Donc, du coup, ce sont les termes publics. Les thermes publics, voilà, donc... Oh mon Dieu, les vestiaires sont vides. Bah oui, les vestiaires sont vides. C'est normal. C'est normal. Donc, bon, bref, comment dire, les plans des thermes étaient, pareil, authentiques. Enfin, sont authentiques, hein, donc c'est pareil, ce sont des plans d'anciens thermes qui ont déjà existé, on va dire, qui sont allés à terme. Oh oui, encore une fois. Et on a essayé de respecter donc la disposition des bassins, puisque bon, finalement, les thermes, c'est un petit peu aussi comme la balnéothérapie, mais version gallo-romaine, enfin romaine, quoi. Donc là, on a la piscine. Juste après, on a le bain froid. Voilà. Le bain tiède, hein, donc tout ça c'est selon le plan évidemment, et le bain chaud forcément. Voilà. On va voir à présent aussi que les mosaïques, donc j'ai essayé moi de faire un contraste entre des mosaïques, pardon, pas entre deux mosaïques, excusez-moi, entre les différents blocs tout simplement qui sont disponibles avec le texture pack donc Romcraft. Et puis bah, pour essayer de jouer sur une harmonie de couleurs et puis de motifs, voilà.
On va ressortir d'ici, on va aller derrière ces termes pour aller voir le collecteur de. Bah, le collecteur d'eau, tout Ouais, simplement, quoi. parce qu'il fallait peut-être les alimenter, quoi, c'était ces C'est termes. ça, sinon c'était un peu difficile. Hein, parce que les termes, c'est pas de l'eau de pluie, là, ça va être de l'eau d'une source thermale. Voilà. Donc, on va voler un petit peu. Hop là, hein, je suis un peu loin. Donc derrière les termes, derrière mes termes, pardon, parce qu'on a fait une deuxième version de ces termes, on y vient après. Donc Parce ces termes que... sont alimentés. Oh là là, mais il sait pas nager. Parce Sont que... alimentés par une source qui donc descend de la montagne qu'on a aménagée là. Et puis donc ça descend via le l'aqueduc, tout simplement. Hein, l'aqueduc, ça descend et ça va jusque dans le réservoir d'eau. Voilà. Simplement un exemple d'aménagement du territoire. Et puis D'accord, il voilà. captait les sources Voilà, déjà à donc il l'époque, quoi. captait les sources, voilà, c'est ça. D'accord. Ensuite de ça, il y a la deuxième version des termes donc de Serenie, puisque Serenie a voulu faire ses propres termes, hein, espèce de Richard. Ouais. Et donc du coup, il a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a agrandi en fait les dimensions. Moi, j'ai légèrement rapetissé les dimensions. J'ai pas fait un pour un, quoi. J'ai fait une échelle un petit peu différente. Donc j'ai dû supprimer une partie, on va dire, des termes, dont le gymnase. Voilà. Donc on va rentrer Par directement, l'entrée. voilà, par l'entrée, c'est mieux. Moi j'ai Et récupéré, j'ai laissé les toits pareil avec récupération d'eau de pluie à chaque fois au-dessus des différents bassins. voilà, c'est ça. On se retrouve avec des donc Ah, j'ai perdu. des comment on appelle Hop. des Ah, ouvertures y a pas de place. sur le ciel. Voilà. Y a pas de Donc si on va place. tout au fond de ce de ces termes, on se retrouve avec un espèce de patio, enfin deux patios, on va dire, et plus un gymnase. Et donc dans ces patios, on se retrouve avec une version, une ébauche, pardon, une ébauche d'un Hop. saule pleureur. Trop beau mon En sol face de pleureur. la bibliothèque latine, donc, et Mettez puis des commentaires. l'ébauche Mettez des plus d'un d'un. pour mon sol pleureur. Oh non, non, c'est pas Donnez vrai. tort à Volcano. C'est pas vrai. Et puis un pain parasol en face de la bibliothèque grecque, voilà. Enfin, pain parasol, ce Mais qu'on peut t'as nommer fini, après. ouais? De critiquer. De toute façon, si tu critiques mes termes, c'est parce que t'es jaloux, c'est tout. C'est voilà. C'est T'inquiète sûr, pas, hein, ça doit t'arriveras être à ça, faire des trucs jolis, je Volcano. pense. Donc, si vous préférez mes termes, vous tapez 1. Si vous ne préférez pas mes termes, vous tapez 2. Voilà. Si vous préférez Et... les miens et que Volcano est trop méchant avec moi, tapez Volcano. Ou pas. Donc voilà, donc on peut ressortir de ces Donc il y a termes. l'ouverture et tout aussi pour alimenter l'eau des. Oui, effectivement. Et donc lui, il a fait des reliefs en fait sur le toit. Moi, j'ai pas fait de relief, mais bon. Voilà quoi. Et puis donc ces termes à lui sont alimentés en fait comment dire en En température géothermie. alors Ouais, par par la géothermie. géothermie voilà en température pour Ah! chauffer admettons le bassin voilà les bassins donc par la lave du volcan Ah, c'est le qui Vésuve. ah, c'est le Vésuve presque si seulement. Et voilà et donc du coup bah, je pense qu'on a fait le tour là il y a pas grand chose à dire de plus. Qu'est-ce que tu vois rajouter toi? Je montrais le conduit de la lave. Non, rien de spécial. Qu'après, voilà, c'est comme on vous dit, c'est juste quelques idées parmi tant d'autres. Hein. On n'a jamais dit qu'on avait la science infuse sur ces différents thèmes. C'est juste qu'on voit souvent que ça tourne un peu autour de l'héroïque fantasy, donc en général le Moyen Âge, et qu'il y a quand même pas mal d'autres thèmes qui pourraient être sympas aussi à Exactement, c'est vraiment développer. parce que. Alors pourquoi on fait ce genre de mini-map? Parce que moi j'en ai ras-le-bol de me balader sur des serveurs où c'est constamment la même architecture, Un parce que les gens château, savent pas des faire autre chaumières. chose. Oui, voilà. Les gens savent pas faire autre chose, ou ils ont pas d'idée, ou ils ont pas envie de se casser la tête, et ça s'arrête là. Mais bon, c'est dommage, c'est un jeu de construction, il faut savoir utiliser la ressource principale, donc l'imagination, à fond, quoi. Alors Et c'est pas. pareil, hein, on pourrait faire des trucs comme on voit souvent, gigantesques, super beaux, super ceci, super cela.
Le but, c'est toujours pareil. Le but, c'est juste de vous donner des idées. N'hésitez pas, faites des trucs gigantesques, des trucs super beaux si vous en avez besoin, si vous en avez l'utilité, y a pas de souci. Ou si vous en avez pas aussi, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, nous, c'est juste vous donner des petites ébauches comme quoi, justement, en faisant des trucs un peu simples, on peut tout de suite donner un aspect, un contraste à y donner, donc du coup, un thème, quoi, une civilisation, une époque, carrément, à tout simplement en faisant quelques petites bricoles. Voilà. Voilà, et c'est voilà, donc c'est vraiment dans le but de vous donner un déclic et puis que ça parte après. Là, c'est pas bon. Là, si jamais vous êtes intéressé, on peut vous mettre le lien On vers peut mettre la map en lien, ouais. voilà la map en Pas de lien, tout souci. simplement parce que ça Ça sera plus simple marche. pour vous d'aller voir. Eh ben Voilà, écoute, voilà. merci Volcano pour toutes ces explications. Et de rien. Un petit spoil, un petit indice sur le prochain chrono building. Allez, on enchaîne donc. bah, le prochain ce sera sur le bas Moyen Âge. Donc voilà. Bas Moyen-Âge. Donc là, les fans de Heroic Fantasy vont être contents. On va pouvoir faire du Moyen Âge. Oui, il va y avoir des châteaux, il va y avoir des chaumières, il va y avoir tout ça. Donc oui, il y aura. D'accord. Ou peut-être des choses que justement on n'a pas l'habitude Ou de des choses qu'on voir n'a pas dans le l'habitude Moyen de Âge, quoi. voir. Alors Et que ouais. ça existait. Ok. Bon, ça suffira alors pour le spoil et pour les Donc indices. retenez bien, c'est toujours dans un souci de cohérence qu'on fait ça. Voilà. Voilà, par ordre chronologique. Très bien. Eh ben merci Volka pour tout ça. N'hésitez pas si ça vous a plu, un pouce vert, des commentaires. Si vous avez envie qu'on traite une époque, une certaine époque, n'hésitez pas à nous le dire. Vous inquiétez pas, on prendra le temps de lire vos commentaires et d'y répondre. Sur ce, Voilà. tu as quelque chose à rajouter, Volka? Non, 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 c'était Eh très ben, bien. à ce moment-là, je vais te souhaiter une bonne continuation et puis à bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt les viewers, bye bye.